Nous allons poursuivre notre étude biblique. We are going to pursue our biblical study. La semaine passée, nous avons vu que l'œuvre de Jésus est une œuvre complète pour la rédemption de l'homme. Last week, we saw that the work of Jesus Christ is a complete work for the redemption of man. Jésus est allé à la croix. Jesus went at the cross. Il s'est constitué victime propitiatoire. He was like an astonishment for us. Et victime expiatoire aussi. And also a victim. Il enlève le péché. It means that it removes sin. Et il te rend propice à Dieu. Il te rend agréable à Dieu. And it makes you agreeable to God. Il a justifié chaque croyant. He has justified each believer. Devant Dieu, tu es comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Before God, you are like someone who has never sinned. Il a détruit la puissance du péché dans le corps de l'homme. He has destroyed the power of sin in the flesh of man. Dans son corps mortel. In his mortal. Il a détruit la puissance de la chair. He has destroyed the power of the flesh. Et le Seigneur demande. And the Lord is asking que chaque croyant entre dans sa délivrance du péché. That each believer should enter in his deliverance from sin. À travers une foi authentique en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du calvaire. Through a true faith in the work of Jesus Christ. Là où tu es assis, cross, where you are, si tu as reçu Jésus, if you have received Jesus, regarde-toi look yourself comme quelqu'un qui ne peut plus pécher. As someone who can no more sin. Parce que la puissance de la chair a because été détruite. Because the power of the flesh has been destroyed. Parce que celui qui est mort. Because the one who died. Le péché n'a plus le pouvoir sur lui. Sin has no more power on him. Et ta mort. And your death. A été constaté dans la mort de Jésus. Has been remarked in the death of Jesus Christ. Dieu a conçu une équation divine. God has conceived a divine calculation. Il t'a mis en Jésus. He's put you in Jesus. Et il a fait mourir Jésus à la croix. And he made Jesus died at donc, the cross. Toi et moi, nous étions à la croix avec Jésus. So you and I were at the cross with Jesus. Si nous croyons à cela, if you believe, we believe that, nous devons donc vivre sachant que nous ne sommes plus des pécheurs. We must live knowing that we are no more sinners. Parce que nous sommes vivants en Jésus. Because we are alive in Jesus. Les vieux pécheurs ont été détruits. All sinners have been destroyed. Maintenant nous sommes vivants pour Dieu. Now we are living for God. Dieu nous demande de nous consacrer à lui. God requests us to get to be consecrated. De prendre tous nos membres et de les consacrer à son service. And to consecrate them to his work. Quand les croyants croient de cette manière, when believers believe that way, ils commencent à voir les fruits chaque jour. The fruit every day. La victoire sur le péché. The victory on sin. On Jésus, the sin. Jésus a vraiment travaillé. Jesus has truly worked. Ce que nous allons voir ce soir. What we are going to see tonight. Nous allons parler de la sanctification. We are going to speak about sanctification. Écoutez ces enseignements très bien. Listen to those teaching very well. Ce sont des enseignements les plus difficiles des saintes écritures. They are the most hard of the holy scriptures. Vous voyez, c'est comme si j'étais en train de jouer. It's like I am playing. J'ai dit, tu étais en Jésus. I say you were in Jesus. Et tu as été crucifié. And you have been crucified. Certains se disent que vraiment, parle seulement, on ne parle. Continue. Some people say just talk. We are listening to you. Mais ceux qui croient. But those who believe. Sont délivrés. Are delivered. La sanctification, c'est quoi? What is sanctification? Quand tu es délivré du péché. When you are delivered from sin. C'est Jésus qui a travaillé, toi tu n'as rien fait. It is Jesus who worked. You did nothing. Le premier acte. The first thing. Responsable d'un homme que Dieu a sauvé. Responsible of a man that God saved. Le premier acte de la foi.
The first act of faith que Dieu exige de toute personne consciente que Jésus a travaillé pour elle. Requires from any people who is aware that Jesus has worked for him. C'est de se mettre à part. Is to set you apart. Donc de se sanctifier. Or to sanctify yourself. La première sanctification, c'est une imputation. C'est quelque chose que Dieu te donne parce que tu as accepté Jésus. Tu n'as pas travaillé. Dieu t'impute ça à justice. The first sanctification is something which is granted to you. You did nothing. God gave you sanctification. Jésus prend et te donne. Jesus takes and gives it to you. Maintenant, quand tu reçois la révélation. After that, when you receive revelation, soit à travers un message comme ce soir, through a message like tonight, soit à travers ton intuition, or into your intuition, soit à travers la lecture biblique, or in the reading en tout of cas, the Bible, quand Dieu décide de t'ouvrir l'esprit, anyway, when God decides to open your mind, pour que tu le saches, so that you know that, et quand tu l'as déjà su, and when you already know it, il faut poser le premier acte. You must do the first thing. C'est la repentance. It is repentance. C'est le premier pas vers la gloire de la sainteté. It is the first step toward glory and holiness. C'est le premier acte responsable. It is the first responsible act. Consciemment. The first awareness act. Tu décides de te séparer du péché. To get separated from sin. Ce que Jésus a fait à la croix. What Jesus did at the cross. Et qui était spirituel. And which was spiritual. Tu le rends concret dans tes membres. You make it touchable in your members. Vous notez que la repentance a des exigences. Has requirements. Quand tu veux te repentir. When you want to get repented. La première chose. When you want to repent, first thing, tu dois reconnaître tous tes péchés. You must recognize all your sins. Tu dois confesser tous tes péchés. You must confess all your sins. Tu les confesses à Dieu. You confess them parce que to God. Tous les péchés sont contre Dieu. Because all sins are against God. Quand la Bible parle des péchés d'Israël, when the Bible speaks about the sins of Israel, Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. He said that Israel did what displeased God. Ne pense pas que si les hommes tolèrent quelque chose, c'est quelque chose devient la justice. Non. Do not believe that if people are tolerating something, it means that it has become justice. No. Les gens peuvent décider que l'homosexualité n'est pas un péché, mais Dieu garde ça comme péché jusqu'à son retour. People can decide that homosexuality is not a sin, but God considers it as a sin forever. Tu peux poser un acte, tu dis ce n'est pas un péché. Dieu sait que c'est un péché. You can do something, you say it's not a sin, but God knows that it's a sin. Il y a des gens qui disent mais si je bois, c'est moi qui bois, c'est mon ventre. There are attention, people who say ce n'est pas ton ventre, c'est le ventre de Dieu. Belly. Be careful, it's not your belly, it's God's belly. Il y a des gens qui veulent se suicider. There are people who want to commit suicide. Tu te suicides, tu meurs, tu vas à l'enfer. If you suicide, you die, you go to hell. Personne n'a le droit de détruire le temple de Dieu. No one has the right to destroy the temple of God. La Bible dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. The Bible says that the one who will destroy God's temple, God will destroy him. Tu ne dois pas fumer. You must not smoke. C'est le temple de Dieu. It's the temple of God. Celui qui se repent doit demander pardon à Dieu avec des supplications. The one who is repenting should beg God's pardon with pleadings. Et il demande pardon pour chaque péché. And he begs God's pardon for each sin. Celui qui se repent doit prendre la décision de ne plus recommencer. The one who is repenting must take the decision to no more start again. Vous savez, la décision de ne plus recommencer. You c'est know en the fait decision. Ce qu'on appelle la repentance. To not restart is what is called repentance. Tant que tu n'as pas décidé. As long as you have not decided. Que tu ne vas plus recommencer. That you will no more do it again.
Tu n'as pas encore fait la repentance. You have not yet done your repentance. Celui qui se repent doit faire des restitutions, des restitutions. The one who repents should do restitutions. Il doit réparer les torts. He must repair the bad things that he did to people. Il doit restituer le matériel. He must restitute material. Il doit restituer l'argent. He must restitute money. Il doit demander pardon à ceux qu'il a offensés. He must ask pardon to people that he offended. La Bible dit qu'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. The Bible says that as long as it depends on you, be at peace with everyone. Jésus par sa mort, par son ensevelissement, Jesus by his death and his burial, et par sa résurrection, and his resurrection, a accompli l'œuvre de la mise à part. Has completed the work of a setting apart, aside. Il t'a mis à part. He set aside. En mourant à la croix. By dying at the cross. En entrant dans la tombe. By entering in the tomb. En ressuscitant. Jésus, en ressuscitant des morts, Jésus a accompli ta première sanctification. Has completed your first sanctification. C'est la sanctification qui est imputée aux croyants. This is the sanctification which is granted to the believer. Tout simplement parce qu'il a la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Only simply because he has faith in the work of Jesus. C'est comme Abraham. It's like Abraham. On dit qu'il a cru en Dieu. They say that he believed in God. Et parce qu'il avait cru en Dieu, and because he believed in God, Dieu l'a déclaré juste. God declared him righteous. Cela lui fut imputé à justice. This was granted to him as righteousness. Et moi et toi. And you and I. Parce que nous avons cru. Because we believed. Que Jésus est mort à la croix. That Jesus died at the cross. Qu'il a été enseveli. That he has been buried. Qu'il est ressuscité. That he resurrected. Et que nous étions en lui. That we were in him. Et que nous avons été crucifiés avec lui. And that we were crucified with him. Et que nous sommes allés dans la tombe avec lui. That we went in the grave with et que him. Dieu nous a ressuscité avec lui. And that God resurrected us with parce him. Que nous avons cru à cette vérité. Because we believe into that truth, Dieu nous a déclaré saints. God has declared us holy. Donc nous sommes un avec Jésus. So we are one with Jesus. Après la foi, after faith, le croyant doit décider d'entrer dans l'obéissance. The believer must decide to enter into obedience. L'obéissance ici, obedience, c'est l'obéissance de la foi. Means obedience of faith. Il doit se mettre volontairement et consciemment à part pour Dieu lui-même. He must set himself voluntarily and consciously aside for God himself. Il doit donc faire ce que nous venons de décrire, la vraie repentance. He must therefore do what we have just described, true repentance. Après la vraie repentance. After the true repentance. Suivez ça très bien. Follow that carefully. On appelle ça la doctrine du salut. This one is called the doctrine of salvation. Après la vraie repentance. After true repentance. Il faut la consécration. It takes that you enter into consecration. Après la vraie repentance, after true repentance, il faut faire la consécration. You must do consecration. Vous notez ceci. Write that down. Après la vraie repentance, le croyant ne doit pas perdre le temps. After true repentance, the believer should not lose his time. Il est déjà une nouvelle créature. He is already a new creature. Il est libre. He is free. Il est un avec Jésus dans la mort, dans l'ensevelissement et dans la résurrection. He is one with Jesus in death, in burial, and is in resurrection. Jésus lui a donné un corps. Jesus has given him a body. Délivré de l'oppression, from oppression, de la puissance du mal, du péché. Of the power of sin and evil. Lisons Romains chapitre 6 verset 12. Let's read Romans chapter 6 verse 12. Que le péché ne redonne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Alléluia. Amen. Ton corps reste mortel.
Your body remains mortal. Mais il est séparé du corps adamique, il est séparé de la puissance du péché. But it is separated from the power of sin. Tu es séparé d'Adam. You are separated from Adam. Mais ton corps reste bien sûr mortel. But your body remains mortal. C'est-à-dire tu peux mourir. It means you can die. Mais c'est le péché qui ne peut plus dominer sur toi. But it is sin which can no more rule on you. Il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. It is said, sin must no longer rule in your mortal body. Et n'obéissez pas à ses convoitises. So that you obey the desire of his natural self. Chaque croyant, each believer, doit savoir qu'il est entré dans une alliance spirituelle avec le Seigneur Jésus. Must know that he has entered into a spiritual covenant with the Lord Jesus. Chaque croyant, each believer. Ça, c'est des choses qu'on doit dire même aux jeunes convertis, les gens qui étaient debout devant ici. Là. Ça, ce sont les premières vérités. That we must tell to the new chaque croyant, each believer, en venant à Christ, by coming to Christ, est entré dans une alliance. Has entered into a covenant. Certains le savent. Some know it. Mais beaucoup ne le savent pas. But many don't. Lis-nous 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 17. Let's read 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 17. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, donc c'est ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Lis-nous Tite, chapitre 2, verset 12 Retitle, à 15. Chapter 2, verse 12 to 15. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Amen. Ces deux passages disent une chose. Those two excerpts talk about one. C'est que Jésus est mort pour nous. Is Jesus died for us? Et parce qu'il est mort pour nous, and because he died for us, nous devons vivre pour lui. We must live for him. C'est une alliance. It is a covenant. Il s'est donné lui-même. It is said he gave himself pour se faire un peuple qui lui appartienne. To get a people that belong to him. Nous appartenons à Jésus. We belong to Jesus. Il est mort pour tous. He died for all. Tous dont sont morts. Then all are dead. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. So that the one who are living should not live for themselves. Tu ne dois plus vivre pour toi-même. You must no more live for yourself. C'est ça qu'on appelle la consécration. This is what is called consecration. Il y a des gens qui pensent que si tu laisses ton travail pour prêcher, c'est ça qu'on appelle la consécration. Non, quelqu'un peut laisser le travail sans être consacré. There are people who believe that if you leave your work and preach the gospel, you are consecrated. No. Il peut vivre someone dans le péché. Can do the same, but he's not consecrated. Christ est mort pour moi. Christ died for me. Je dois vivre pour lui. I must live for him. Jésus est mort pour toi. Jesus is died tu for you. Tu dois vivre pour lui. You must live for him. Il s'est donné. He gave himself. Pour se faire un peuple, pour sauver des hommes qui lui appartiennent. People who belong to him. Jésus ne nous sauve pas pour nous laisser dans la nature se promener.
Jesus does not save us to leave us in the nature wandering. Tu dois vivre pour sa gloire. You must live for his glory. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? What does this mean actually? D'une manière concrète. Actually, la consécration veut dire que le croyant se donne volontairement à Dieu. Consecration means that the believer gives himself voluntarily to God. Pour faire la volonté de Dieu. To do God's will. Ça veut dire que le croyant refuse désormais de marcher selon ses propres pensées. It means that the believer refuses to walk according to his own thoughts. Ça veut dire que le croyant refuse volontairement de vivre selon les désirs de son corps mortel. It means that the believer willingly decided to refuse to live according to his passions. Ça veut dire que le croyant refuse volontairement de vivre selon le conseil des hommes méchants. It means that the believer willingly decides to refuse to live according to the counsel of bad people. Ça veut dire que le croyant refuse de vivre selon la séduction du péché. It means that the believer voluntarily refuses to live according to the deception of sin. Il refuse. He refuses. Il dit j'appartiens à Dieu. He says I belong to God. Toute personne, anyone, qui a cru à la mort de Jésus, who has believed into the death of à son ensevelissement, to his burial, et à sa résurrection, and to his resurrection, et qui rejette les pensées humaines, and who reject human thoughts, même ses propres pensées, even his own thoughts, qui rejette les coutumes, les traditions des païens, who reject customs, traditions, qui dit je veux vivre selon le style de vie de Dieu, he said I want to live according to the style of life of God, c'est cette personne qu'on appelle une personne consacrée. It is this kind of people that is called a consecrated people. Cela veut dire positivement, it means positively, qu'il a décidé de consacrer ses membres à pratiquer la justice. To consecrate his members to the practical of justice. Lis nous Romains chapitre 6 verset 13. Let's read Romans chapter 6 verse 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Après l'acte de consécration, after the act of consecration, il faut marcher selon l'Esprit. You must walk according to the Spirit. Ce sont des exigences. There are requirements. Tu as cru à la mort de Jésus. You believe into the death of Jesus. Tu as cru en ta mort avec Jésus. You believe into your death in Jesus. Tu crois que tu as la vie de Jésus. You believe that you have life in Jesus. Tu te repens. You repent. Tu t'es repenti. After repentance, tu es entré dans la sanctification. You enter through sanctification. Tu te consacres. You consecrate. Tu t'es consacré. You have been consecrated. Il reste que tu marches chaque jour. It now remains that you walk every day. Cette marche de chaque jour, this everyday walk, c'est selon l'Esprit. It is according to the Spirit. Ceux qui marchent selon l'Esprit, those who walk according to the Spirit, sont vainqueurs. Are winners. Le péché ne peut rien faire. Sins can do nothing. Lisons Romains chapitre 6 verset 14. Read Romans chapter 6 verse 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Lisons Galates chapitre 5 verset 14 à 18. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si
vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Marcher selon l'esprit, to walk according to the Holy Spirit, c'est marcher en obéissant à la direction que le Saint-Esprit te donne par sa puissance. By obeying the direction that the Holy Spirit is giving you par son assistance, by his assistance, et marcher selon la loi, and to walk according to marcher the law, sous la loi, to walk under the rule of the law, c'est essayer d'obéir à Dieu, is to try to obey God, sans l'assistance de l'Esprit de Dieu, without the assistance of God's Spirit, marcher sous la grâce, to walk under the grace, c'est marcher étant rempli du Saint-Esprit, is to walk being filled with the Holy Spirit, marcher sous la grâce, to walk under the grace, c'est marcher étant rempli du Saint-Esprit, is to walk being filled with the Holy Spirit. Le Saint-Esprit qui a la mission de nous guider, de nous enseigner, the de nous soutenir. Which mission is to guide us, support us, and teach us. En un mot, ce qu'on vient de dire signifie qu'on a deux régimes. It means that we have two rules. Il y a le régime de la loi. There is the rule of the law. Et il y a le régime de la grâce. Écoutez ça très bien. And there is the rule of grace. Listen that carefully. Dans le régime de la loi, I take it again. In the rule, le croyant doit obéir à Dieu. Il doit obéir à Dieu sans l'aide de Dieu, sans l'aide d'un homme. Dieu, on lui dit, ne commets pas l'adultère, ne mens pas, ne vole pas. C'est the tout. Believer must walk and obey God without the assistance of the Holy Spirit. He is said, do not lie. Dans le régime de la grâce, in the rule of the grace, le croyant est toujours devant les exigences de la loi. La loi ne meurt pas. Il y a des gens qui pensent que Dieu a aboli la loi. Non, la loi est toujours active. Under the grace, the law is always active. Mais but le Saint-Esprit, the Holy Spirit, donne au croyant la capacité d'accomplir la loi. The ability to complete the law. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a deux régimes. There are two rules. Le régime de la loi, the one of the law, où il est dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Il y a le régime de la grâce, there is also the rule of the où grace, Dieu demande qu'on soit saint et même plus. Mais ici, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour soutenir ceux qui croient en Jésus. Under the grace, the Holy Spirit is at work to support those who believe in Jesus. Jésus a même rendu la loi plus dure encore. Jesus has made the law more, he has hardened the law. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point. You knew that it has been said, don't kill. Moi, je vous dis, but me, si tu as même de la haine, even you, if you tu have as déjà hate, tué quelqu'un. You have already killed someone. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, he said, you knew that tu ne commettras point d'adultère. Do not commit adultery. Moi, je vous dis, me, I am telling si you, tu convoites une femme, even if you envy, tu as déjà commis l'adultère. You have already committed donc, adultery. Les faux docteurs donnent l'impression que Jésus a annulé ça. C'est faux. So, false au doctors, contraire. False doctors make like Jesus has canceled that. Jésus est venu accomplir à la perfection la loi. Jesus has come to complete at its perfection. Et il a dit à ses disciples, and he said his disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, if your justice is not beyond the one of vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. You are not going to enter the kingdom of God. Quand le Saint-Esprit vient, when the Holy Spirit comes, il vient donner, il vient secourir l'homme to give, to rescue human qui veut obéir à Dieu. Who wants to obey God. Il vient agir contre la chair de l'homme. He come and works against the flesh. Il vient maîtriser la chair pour que l'homme ait la liberté d'obéir à Dieu. So that man could get the freedom to obey God. Est-ce que le frère Dat est là? Il est là. Est-ce que vous pouvez nous illustrer? Can you illustrate us? Écoutez très bien. Listen carefully. Écoute, ça c'est la doctrine fondamentale. This is the core doctrine. Ne marchez pas
sous le régime de la loi. Do not walk under the rule of the law. Entrez dans le régime de la grâce. Enter into the rule of the grace. Dans la grâce, in grace, tu es déclaré saint. You are declared holy. Et on te dit, prouve donc par tes œuvres maintenant que tu es saint. And you are told, prove or show by your works. Est-ce que vous me suivez très bien? You are holy. Ne croyez jamais qu'un homme qui est sous le régime de la grâce doit boire, fumer, chercher les femmes, mentir et puis never va au ciel. Non, non. Who is under the rule of grace, quand tu es sous le régime de la grâce, and do everything. When you are under the rule of grace, tu as l'avantage. You have an advantage. Et voici cet avantage. And this is it. C'est que Dieu t'impute déjà la justice avant même que tu sois saint. It means that God forgive you. He gave you in advance righteousness before you become holy. Et il te dit, and he told, he maintenant, says, now, marche selon le Saint-Esprit. Walk according to the Holy Spirit. Tu ne vas plus commettre les péchés. You will no more commit the sins. Ta chair qui t'empêchait d'obéir à Dieu là, le Saint-Esprit est venu déjà la maîtriser. Who prevented you from obeying God? The Holy Spirit has come to master it. Regardez cette scène. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vous présenter de façon brève un petit sketch, briefly, a small sketch qui illustre which illustrates comment Dieu procède how God proceed pour délivrer le croyant to deliver the believer de la chair. From flesh. Je suis avec le pasteur Achille Gogwa. I am with Pastor Achille Gogwa. Et Daloa. Le pasteur Mweso Elvis de Botro dans la Elvis région de Boaké. Et le pasteur Kwame. And Pastor Kwame. De l'église de of the Church of Segela. Segela. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons présenter comment sous le régime de la loi, I will show you how under the rule of the law, l'homme est livré à lui-même. Man is given to himself sans le secours du Saint-Esprit. Without the assistance of the Holy Spirit. Il est animé d'une bonne volonté. He has a good will. Il veut faire le bien. He wants to do good. Il veut obéir à Dieu. He want to obey God. Il veut mettre la loi en pratique. He want to practice the law. Mais il est vaincu par l'opposition de la chair. But he is overcome by the opposition of his flesh. Il lutte. He fight, he struggle. Mais sans secours. But with no rescue. Et il va d'échec en échec, vaincu par la chair. And he goes from failure to failure. Après cela, after that, nous allons montrer comment sous le régime de la grâce, we are going to enter under the rule of grace, Dieu envoie le secours du Saint-Esprit. We see the rescue of the Holy Spirit pour vaincre la chair, to overcome flesh, pour s'opposer aux désirs de la chair, to oppose the desires of flesh, et rend le croyant libre. And make and set the disciple, the believer free, afin qu'il soit capable, so that he may be able, d'obéir, to obey God, aux instructions du Saint-Esprit, to obey the instructions pour of marcher the Holy Spirit, selon l'Esprit, and to walk according to the Spirit. Écoutez-nous attentivement, s'il vous plaît. Listen to us carefully, please. Nous allons commencer. We are going to start. Le pasteur Achille Gogwa va jouer le rôle du croyant charnel, lui-même, le croyant, avec sa volonté de faire le bien, d'obéir à Dieu, de se soumettre à la loi. Is the carnal believer. Et le pasteur Mbesso, Pastor Mbesso va jouer le rôle de la chair. Is the flesh. Il s'oppose à cette volonté. Who is opposing his will. Donc nous allons commencer. Donc nous voyons comment le croyant charnel veut lire la Bible et la chair dit non, 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 je vais dormir. Je vais dormir, je vais dormir. Et là, il est vaincu. Il se réveille, il dit non, 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 non. Il faut que j'aille la veille avec le pasteur Meunier.
La chair dit non, 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 je ne suis pas d'accord. Et il est vaincu. Il se réveille. Il dit, il faut que j'aille prêcher. La chair dit non, 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 j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Il dit non, 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 la chair dit non. Il est vaincu. Il se réveille, il dit non, non, il ne faut pas que je masturbe. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, je ne veux pas. La chair dit non, non, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Non, non, non. Et il est vaincu. Nous allons voir maintenant comment le Saint-Esprit, sous le régime de la grâce, va faire son intervention et manifester son action puissante pour la délivrance. Lève-toi, mon fils. Marche, mon fils. Prends ta Bible, mon fils. Lis ta Bible, mon fils. Lève-toi et prie, mon fils. Prie, mon fils. Alléluia. 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 Avance vers cette foule, mon fils, et prêche. Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort notre Seigneur. Le Saint-Esprit s'oppose à la chair. The Holy Spirit opposes. Il maîtrise la chair. Master it. Et vous avez constaté que. And we saw, you saw that. La chair n'a pas disparu. Flesh has not disappeared. Vous avez constaté que la chair continue avec le frère. That the flesh is still going with the brother. Mais maîtrisé par le Saint-Esprit. But he is. Mais maîtrisé par le Saint-Esprit. By the Holy Spirit. Et nous avons vu. And we saw that que le frère délivré a commencé à recevoir les instructions du Saint-Esprit, les directives du Saint-Esprit. The instruction of the Holy Spirit. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à obéir. And he started obeying. Et cette obéissance and this obedience lui permet de marcher par l'Esprit. Allows him to walk by the Holy Spirit. Elle doit être continuelle. It must be continuous, chaque jour, every day, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Till the Lord Jesus come. Si elle s'arrête, if it stop, le croyant retombe sous le régime de la loi, sous le régime de la puissance de la chair qui le domine. Of the power of the flesh. Que le Seigneur vous bénisse. Un dernier passage et en rentrant, médite et réjouis-toi. Romains chapitre 8, versets 1 à 4, pour conclure. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. La responsabilité du croyant. The responsibility of a believer. Sous le régime de la grâce. Under the rule of a grace. Est donc de s'affectionner aux choses d'en haut. Is therefore to love things that are up. Écrivez ça très bien. Car le cœur appartient à l'homme. The heart
belongs to man. Et l'homme donne son cœur à qui cela lui plaît. And man gives his heart to whom he wants. Dieu n'arrachera jamais ton cœur. God will never grasp your heart. Il peut t'inviter à l'aimer. He can invite you to love him. Il peut t'inviter à aimer les choses du ciel. He can invite you to love things that are in heaven. Et tu peux lui donner ton cœur. And you can give him your heart. Chaque jour. Every day. Dans l'obéissance. In obedience. L'esprit vient affranchir le croyant de la puissance de la chair. The Holy Spirit come and set the believer free from the power of his flesh. Afin que le croyant soit capable de marcher selon l'esprit. So that he may be able to walk according to the Spirit. C'est là le sens spirituel du régime de la grâce. This is the spiritual meaning of a rule of a grace. Ça n'a rien à voir avec la perversion. It has nothing to see with perversion. Ça n'a rien à voir avec l'émancipation par rapport à la loi de Dieu. It has nothing to see with emancipation through or out of God's laws. Un bon chrétien, a good Christian, rempli du Saint-Esprit, filled with the Holy Spirit, sera l'ami intime de la loi de Dieu. Will be the intimate friend, the best friend of God's law. Parce que c'est la loi de la justice. Because it is the law of justice. C'est la loi de la paix. It is the law of peace. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you.